Toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Mélodie 90, c'est reparti pour 20 minutes de bonheur sur la décennie magique, alors on commence. Sans plus attendre avec Thierry Hazard, je vous emmène danser le jerk, figurez-vous. Cette fameuse danse propre aux années 60 est remise au goût du jour, 30 ans après, précisément en 1990, grâce à ce tube qui rencontre un immense succès, certifié disque d'or avec plus de 500 000 exemplaires vendus, et une seconde place au top 50 privée de la pole position, malheureusement par le groupe UB40 et Kingston Town. Souvenez-vous, Roger travaille dans une usine qui sent bon l'oxyde de carbone et tous les midis, à la cantine, il mange du poulet aux hormones. Peut-être que bon nombre d'entre vous se seront reconnus dans ce texte signé Thierry Hazard, expliquant ainsi son succès populaire. Que devient Thierry Hazard, me direz-vous ? Bien, sachez qu'en 1993, Thierry Hazard a sorti son second album qui s'appelait « Où sont passés les beatniks » porté par Julie et Trop Prude, un très bon single d'ailleurs. Toutefois, l'album ne rencontre qu'un succès d'estime, 35 000 exemplaires vendus. Alors après cet échec, Thierry Hazard disparaît des scènes médiatiques et artistiques. Et en 2007, il refuse même de participer à la tournée nostalgique RFM. C'est son droit après tout. Regardez le jerk, on est en 90. Josephine attend que ça se termine.